Le déplacement des autorités du ministère du cadre de vie et du développement durable et des membres du comité national de lutte contre la désertification vers les populations de Doja à Wedo pour marquer la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse témoigne à n'en point douter de la volonté du gouvernement à freiner l'évolution vertigineuse de la dégradation des terres au Bénin. Le phénomène est estimé à environ 2,10 millions d'hectares en 10 ans, soit en moyenne 200 000 hectares dégradés par an, pour une perte de près de 280 milliards de francs CFA l'an. Aux hôtels dorés et autres enceintes de luxe, ils ont alors préféré investir le périmètre de reboisement de Wedo, étendu sur 580 hectares, dont 5 ont été délimités pour recevoir 12 500 plants. Geste qui réaffirme l'attachement du gouvernement à la préservation des ressources naturelles. Nous devons rentrer de plein pied dans la nouvelle décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes 2021-2030 en saisissant toutes les opportunités pour une gestion durable des écosystèmes terrestres et marins de notre pays. L'acte que nous posons aujourd'hui rentre pleinement dans le cadre de l'atteinte de l'objectif de cette décennie qui est de renforcer massivement la restauration des écosystèmes dégradés et détruits. La célébration de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, qui en est à sa 26e édition cette année, a pour thème « Aliments, fourrage, fibres ». Lequel thème requiert qu'on intensifie la sensibilisation sur le changement de comportement à l'égard des principaux facteurs de désertification et de dégradation des terres, à savoir la production et la consommation croissante et excessive. Le thème de ce jour nous conforte dans l'idée qu'il faut non seulement garantir suffisamment de nourriture et de vêtements des millions d'habitants du Bénin, mais aussi influencer les pratiques et comportements. C'est vous dire que l'acte que nous posons aujourd'hui à travers la mise en terre de plants dans ce périmètre de reboisement est salutaire car le département est largement défriché. Il est important aujourd'hui, pour entrer dans le même cadre, la même vision que les objectifs de développement durable 2021-2030, que chaque pays à son niveau se lance dans la reforestation. Le choix du département de l'Atlantique pour abriter cette célébration n'est pas un hasard. Il tient plutôt à la nécessité de restaurer les nombreux sites touristiques, les aires protégées et les périmètres agricoles dont regorge ce département et qui en font le pôle de développement agricole 7 pour l'alimentation et la sécurité sanitaire des populations.